Les deux histoires d'horreur que je vais vous raconter aujourd'hui, vous allez voir, elles sont vraiment, vraiment terrifiantes. Je me mets à la place de ces gens-là qui les ont vécues. Ils ont dû avoir la peur de leur vie parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment, vraiment flippant. Avant de commencer, les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va très bien. Je suis très content de vous retrouver pour vous raconter deux histoires d'horreur. C'est des histoires qu'on m'a traduites qui ensuite, je vous les repartage en vidéo qui sont juste effrayantes. Avant de les commencer, très important, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous loupez aucune vidéo. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés. Allez-y, rejoignez l'équipe. Vous êtes tous les bienvenus. Et je vous partage aussi mon Instagram. Comme ça, dès qu'une vidéo sort et que c'est pas forcément une vidéo qui était prévue, bah vous êtes au courant. Et j'ai aussi une chaîne secondaire Samir Nagadir 2.0 où dessus je fais des maps horreur Fortnite qui sont vraiment vraiment intéressantes. Ça sort chaque mercredi. Donc maintenant que vous avez tous les amis, on va se lancer dans la première histoire. Kautar, qui nous raconte son histoire, elle a 25 ans, c'est une étudiante qui n'a pas forcément beaucoup d'amis, elle n'est pas trop sociable, mais c'est une bonne vivante, elle est très sérieuse à l'école, elle aime bien écouter de la musique, et deux fois dans sa vie, elle a eu l'occasion de pouvoir se marier. Mais elle ne comprend pas pourquoi, elle dit à chaque fois, le premier homme, quand elle devait se marier, quand tout devait être fait pour arriver jusqu'au bout, ça n'aboutissait pas. Le deuxième homme, pareil, il y avait tout pour qu'il puisse se marier, mais il y a toujours quelque chose qui fait que le mariage n'aboutit pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui la touche plus que ça. Elle se dit bah ça fait partie de la vie. Mais elle continue de vivre sa vie. Une fois, la nuit, quand elle va dormir, il va se passer quelque chose de très bizarre. Elle va voir un homme qui apparaît dans son rêve. Et cet homme-là, elle va le trouver très attachant, très beau. Elle va l'apprécier. Première nuit où elle va rêver de lui. Et en fait, les nuits vont s'enchaîner que cet homme-là va toujours apparaître. Et cet homme-là va tellement lui faire plaisir quand elle va le voir. Elle va tellement sentir bien que la nuit, elle est pressée de s'endormir pour retrouver cet homme-là. Donc vraiment, le temps fait qu'elle s'est attachée à lui. Et elle dormait très tôt juste pour le rejoindre. Elle allait tellement loin que tellement elle était en confiance avec cet homme-là qu'elle voyait dans son rêve, que des fois, la nuit, quand elle dormait, elle commençait à changer ses habitudes. Elle commence à se maquiller quand elle dort, elle se parfume, tout ça dans le but de plaire à cet homme-là. Chaque fois qu'elle va dormir, cet homme-là ne sortira pas de ses rêves. Elle va toujours le voir, elle va être bien à ses côtés, tellement qu'elle vit ses rêves comme si elle le vivait vraiment dans la réalité. Elle est en confiance, elle se réveille le matin, elle se sent tellement bien. Juste une fois, il va se passer quelque chose de très bizarre avec cet homme-là. Cet homme-là, il va apparaître dans son rêve. Contrairement à d'habitude, il va pas avoir un visage agréable, gentil. Il va être très très effrayant. Il va s'approcher d'elle, il va la regarder, il va rigoler d'un air moqueur. Et elle n'a pas l'air de le reconnaître, mais c'est cet homme-là qu'elle voit dans son rêve. Et à un moment, elle ne sait pas pourquoi, mais il la prend dans son bras, il la tire fort. Il a l'air de l'emmener quelque part. Et dans son rêve, là où il l'emmène, c'est quelque part où il n'y a personne. C'est vide. Et à un moment, l'homme, pour la première fois, va lui parler et lui dire « Aujourd'hui, on va se marier ensemble. » Et elle, elle est effrayée parce que quand il lui dit ça, il lui tire le bras tellement fort qu'elle ne se sent pas bien. Et à un moment, elle sent derrière eux, quelqu'un les suit. Et tant bien que mal, elle essaie de se retourner pour voir s'il y a vraiment quelqu'un qui les suivait. Et elle voit un homme, mais par contre cet homme-là, par rapport à celui qu'il était en train de lui tirer, qui lui faisait peur, elle sentait quelque chose de bon en lui, quelque chose, une lumière qui la rassurait. Mais l'homme continue d'attirer tellement fort. Et à un moment, elle ne comprend pas pourquoi, mais l'homme qui est derrière, elle croit comprendre qu'il est en train de taper l'homme qui est en train de le tirer, donc le djinn qu'elle voyait. Et à ce moment-là, elle se réveille. Et elle se réveille en hurlant. Hurlant tellement fort que sa mère se réveille et elle voit Kautar en train de hurler dans son lit, elle n'arrive même pas à parler. Et elle va lui demander mais qu'est-ce qui se passe? Et Kautar va commencer à raconter tout ce qui se passe à sa mère, qu'elle voyait un homme dans ses rêves qui lui apparaissait, qui avait l'air tellement gentil, elle était tellement attachée à lui, qu'elle se maquillait, se parfumait pour lui plaire, et que là un homme est venu, lui a tiré le bras et il savait pas où est-ce qu'il allait l'emmener. Jusqu'à qu'un homme l'a sauvé. Quand sa mère entend ça, comprend qu'il y a un djinn qui est en train de s'attacher à Kautar et que elle aussi. Donc effrayée, sa mère, elle comprend que ce qui lui arrive, c'est pas normal. Elle lui emmène chez un raqi, il lui fait une raqiya et alhamdoulilah, depuis ce moment-là, ne rêvait plus de cet homme-là. Et tellement elle était en train de s'attacher à cet homme-là, limite elle en devenait amoureuse. C'est comme ça que son histoire se termine, elle la raconte, elle dit vraiment que faut vraiment faire attention, faut pas essayer de se plaire dans le miroir, se regarder beaucoup dans les miroirs, parce que peut-être que c'est ça qui a déclenché le djinn qui est venu, qui a commencé à apparaître dans ses rêves, mais c'est l'histoire qu'elle a racontée. Moi, cette histoire-là, ce qui m'a effrayé, c'est quand elle disait que tellement elle était attachée à cet homme-là, elle allait jusqu'à se maquiller pour dormir, se parfumer dans le but de lui plaire. Donc, voilà l'histoire de Kautar, et je trouve que c'est une histoire vraiment flippante. Les amis, maintenant, on passe à la deuxième histoire, et celle-là,
Vous allez voir, elle est vraiment, vraiment flippante. Zakaria, il est chauffeur de taxi, il a 30 ans et comment il est devenu chauffeur de taxi, c'est tout simplement depuis la mort de son père. Il n'a pas eu d'autre choix que de devenir chauffeur de taxi pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc rapidement, il a dû passer la formation, avoir sa licence pour pouvoir conduire le taxi et il a dû le faire. Pourquoi? Parce que il a une sœur, un frère et sa mère. Sa mère a des problèmes de santé qui font qu'il faut qu'elle ait des frais médicaux qui soient régulièrement payés et c'est assez coûteux. À cause de ça, il doit faire des journées assez chargées, donc il travaille le matin, l'après-midi et le soir. Et sachant que dans la ville où il est, dans une ville où il y a limite plus de chauffeurs de taxi que de personnes qui prennent les taxis, donc les courses se font limite très rares. Pour ça, il fait des journées très très longues pour avoir la chance de gagner un peu plus d'argent. Prenez son service le soir. Et il allait vraiment dans les zones où il y a des salles de mariage, comme ça il sait que s'il doit récupérer des gens, la plupart du temps, souvent les salles de mariage sont assez reculées de là où les gens habitent, donc ça fait des courses qui coûtent assez d'argent, donc il sait ce qu'il faisait. Cette soirée où il va faire cette course là, mais il n'y aura personne à prendre. Mais à un moment, en sortant de cette zone là, il va voir une femme qui marche sur le trottoir et elle aura une robe. Et cette femme là, ce qu'il va remarquer chez elle, elle a les cheveux très très longs, mais quand elle marche la tête baissée. Et il a l'impression que cette femme là elle est triste, donc ce qu'il décide de faire, c'est de se garer vraiment devant, pas très loin, pour qu'elle voit vraiment que c'est un chauffeur de taxi qui s'arrête, pour pas l'effrayer. Et il sort de son véhicule et il va voir cette dame là, il dit: madame, je vois que vous êtes triste, moi je suis chauffeur de taxi, il n'y a personne dans les parages, est-ce que vous voulez que je vous emmène quelque part? La femme va pas lui répondre, mais elle va le suivre. Mais à partir du moment où il rencontre cette femme là, beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Cette femme monte dans la voiture, ne va pas parler, et au début il va lui demander: où est-ce qu'il faut que je vous amène? Mais la femme va pas parler. Donc il est un peu gêné, il prend la route et il sait pas où aller. Il attend quelques minutes et il lui redemande. Il dit: madame, dites-moi où est-ce que je dois aller parce que je sais vraiment pas où je dois aller. Et la femme va lui dire où aller, lui donner la localisation, mais là lui dans sa tête il va être surpris. Parce que là où elle veut aller, c'est un endroit assez reculé de la ville. Limite là-bas il n'y a personne qui habite dedans, c'est des appartements, c'est des bâtiments en ruine. Il n'y a personne qui peut habiter dedans. Mais vas-y, il se prend pas la tête, il fait le trajet, il roule. Il observe cette femme-là dans le rétro, il se rend compte qu'elle a un regard vide. Vraiment, on dirait qu'elle est morte de l'intérieur. Et il va reconnaître quelque chose de très très bizarre sur elle, son odeur. Elle a une odeur, elle sent très 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 bon. Et il va faire la route, et au bout d'un moment, quand il arrive dans cette zone-là, ça y est, il arrête son taxi. Mais il s'attendait à ce que la femme paye. Mais non, en fait, elle sort du véhicule, elle prend sa route normale. Et là, il descend du véhicule, il dit: mais madame, je suis désolé, je vous ai emmené, vous devez me payer, j'ai pas fait ça gratuit. Mais elle parle pas. Et là, il s'énerve, il dit: écoute, moi, tu me payes pas, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, je te suis jusqu'à chez toi et c'est seulement quand tu me paieras que je partirai. La dame continue de marcher, elle rentre dans un bâtiment. Il voit le bâtiment, il est en ruine, il regarde, limite s'il y a des gens qui habitent dedans. Il voit, il n'y a même pas de lumière, il comprend pas où est-ce qu'elle va. Mais il la suit, elle sait où elle va. Il rentre dans le bâtiment, il se rend compte que l'odeur, c'est une odeur, ça sent mauvais. Il ne sait même pas comment elle peut habiter là. Mais il la suit et elle monte. Elle monte les escaliers, elle rentre dans un appartement et il met un pied dans l'appartement, il la voit passer dans le couloir de cet appartement-là et elle rentre dans une chambre. Il attend et il lui dit, dis-moi, je t'attends, quand tu m'auras payé, je partirai. Il attend 5 minutes, toujours rien. Il commence à perdre patience, il commence à lui dire, si tu sors pas maintenant, c'est moi, je vais venir vers toi et je vais aller chercher mon argent. Toujours rien, pas de nouvelles. Alors elle décide de rentrer dans la chambre où elle était. Il toque première fois, pas de nouvelles, deuxième fois, rien. Là, il s'énerve, il ouvre la porte et il est choqué. Il ne voit personne. La seule chose qu'il verra, c'est un chat noir. Et là, quand il voit ce chat-là, il est terrifié. Il sort du bâtiment en courant et il va pour rejoindre sa voiture qu'un homme va le voir dehors. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, je viens de déposer une femme, je suis taxi et je l'ai déposée dans ce bâtiment-là et je ne comprends pas cette femme-là. Elle a disparu, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. L'homme lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a personne qui habite dedans. Tu vois bien, il n'y a même pas d'électricité dedans, il n'y a personne. Lui, il cherche pas à comprendre, il remonte dans son taxi et il trace. Et pendant qu'il roule, il repense à ce qui se passe. Et à un moment, il regarde dans le rétroviseur. Et c'est pas, il voit que dans le siège arrière, la femme est de retour. Mais il est choqué, il vient, il commence à se mettre à hurler sur cette femme-là. Il lui dit, mais comment t'as pu partir de chez toi et te retrouver dans ma voiture alors que quand j'étais chez toi, t'as pas pu sortir de chez toi, je suis rentré. Comment t'as pu être dans ma voiture? C'est pas possible. Maintenant, je veux que tu me payes parce que là, je vais commencer à m'énerver. Mais la femme ne parle pas. Et à un moment, sur la route, il voit au loin la police qui contrôlait une voiture. Donc là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il s'arrête au niveau de la police, il ferme la voiture où il y avait la femme.
Il va voir la police. Je vais vous expliquer ce qui se passe. J'ai pris une femme dans mon taxi. Elle est derrière. Elle ne m'a pas payé. Je sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai pas fait la course gratuite. S'il vous plaît, allez l'arrêter parce que il faut qu'elle me paye. Les policiers, ils regardent le véhicule. Ils me disent, mais de qui tu parles? La femme qui est dans mon taxi. La police dit, mais il n'y a personne dans le taxi. Il regarde, il voit, il n'y a pas la femme. Et là, il commence à s'énerver. Il leur dit, mais si, j'ai pris une femme. Il faut vraiment que vous allez la voir. Parce que là, elle ne m'a pas payé. Et la police commence à en avoir marre. Ils se disent, le mec, il est en train de nous faire une blague. Ils décident de faire un test pour voir s'il n'y a pas d'alcool dans le sang. Et ils vont voir qu'il n'a rien du tout. Mais lui, il est hors de lui. Il se dit, la police, il faut qu'il me croie. Parce que là, la meuf, elle ne m'a pas payé. Il faut vraiment que je sois payé. C'est pas normal. J'ai pas fait ma journée gratuite. Mais lui, tout ce qui s'est passé, il ne voyait pas vraiment des choses bizarres. La police lui dit, écoute. Si vous partez pas maintenant, nous, on va vous embarquer tout de suite. Là, il voit que la police ne veut pas le croire. Il remonte dans son taxi. Il va chez lui. Quand il va chez lui, il fait sa douche. Il repense à cette femme-là. Il se dit, non, c'est pas possible. Elle m'a pas payé. Je me suis fait arnaquer. Pour lui, il voyait vraiment pas encore que cette femme-là, elle était très, très, très bizarre. Jusqu'à pendant qu'il fait sa douche, à un moment, quand il sort de sa salle de bain, il se regarde dans le miroir. Il voit cette femme-là encore. Il frotte ses yeux. Il se dit, non, c'est pas possible. Il regarde le miroir, il revoit cette femme-là, il dit non, j'ai tellement été suivi par cette femme-là que je la vois dans le miroir. Mais en vérité, il la voyait réellement dans le miroir. C'était pas une hallucination. Donc, il sort de la salle de bain, il va dans sa chambre pour se coucher, il éteint la lumière et il comprend pas. La lumière fait que de s'allumer et de s'éteindre. Elle s'allume, elle s'éteint comme si on était en train de jouer de lui. Et là, il perd patience, il décide de couper l'électricité. Donc, il la coupe, il n'y a plus la lumière qui va s'allumer. Mais il va sentir la même odeur de la femme qu'il avait dans son taxi. C'était la même odeur. Donc, il va quand même réussir à dormir. Mais il va être marqué par cette odeur-là qu'il a sentie. Et le lendemain, il prend son service. Il sort de chez lui. Mais il est choqué parce que la femme avec qui sa mère parle, il voit que c'est la dame qui a pris dans son taxi. Et il va voir sa mère énervée. Il lui dit, mais comment tu la connais cette dame-là? Sa mère va lui dire, mais comment ça cette dame-là? C'est notre voisine, tu la vois pas? T'es bizarre mon fils. Lui, il voyait cette femme-là. Donc, il se met à l'écart. Il attend que sa mère parle avec cette dame-là qui voit comme celle qu'il a pris dans le taxi. Et quand elle part, il prend cette dame-là par le bras. Il lui dit, viens avec moi. Là, à ce moment-là, il voit que c'est le visage de sa voisine. Il lui dit, ouh, pardon, je suis désolé. Je t'ai confondu. Moi, on veut pas. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Et en fait, il se rendait compte que cette femme-là, qu'il a pris dans son taxi, prenait l'apparence des gens qui pouvaient voir lui. Et là, il commence à être effrayé. Et une fois, il va prendre son service encore une fois de nuit. Et il va prendre un homme. Et pendant qu'il va rouler, d'un coup, cette femme-là va apparaître dans le siège passager et va commencer à s'énerver. Il va lui dire, mais pourquoi t'es là? Tu me lâches pas? Tu fais que de me suivre. Le mec est derrière, il comprend pas. Il voit le chauffeur de taxi, il parle avec une femme. Alors que la femme, il la voit pas, il voit, il y a personne. Mais il lui dit, mais tu parles avec qui? Il dit, bah tu vois pas la dame qui est à côté de moi là? C'est la femme que j'ai pris la dernière fois, elle m'a pas payé. Le mec derrière, il comprend rien. Il voit devant, il y a personne. Il voit le chauffeur de taxi, il est à fond dedans, il parle, il est vraiment sérieux. Il prend peur, il lui dit, écoute, descends-moi là. Descends-moi là. Il l'a pris pour un fou. Il finit par le descendre et il comprend rien. La femme, elle apparaît comme ça. Il n'y a que lui qui la voit. Les gens ne la voient pas. Et une autre fois, il va se passer quelque chose de très bizarre pour son frère. Il sort de l'école. Il a un scooter, son frère. Et il revient de chez lui. Il est blessé. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah écoute, en sortant du lycée, je vais te dire la vérité, j'ai croisé une fille. Je la connaissais pas. Elle était super gentille. Je sais pas pourquoi. J'étais attiré par elle. Et elle était grave gentille, mais je voulais pas la lâcher. Et je lui ai proposé de faire un chemin avec moi, que j'allais la déposer. Mais à un moment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle était derrière et elle a voulu mettre ses mains dans le guidon. Je sais pas, elle a voulu faire quoi, mais c'est là qu'on est tombé du scooter. Et à ce moment-là, moi, j'étais limite pas inquiet pour moi, j'ai eu peur pour elle. Mais quand j'ai voulu chercher cette femme-là, elle a disparu. Il lui dit, mais elle était comment cette dame-là? Il commence à la décrire et il lui dit, oui, elle a des cheveux longs. Il commence à faire le rapprochement à que cette femme-là, c'était la même femme qu'il a pris dans son taxi. Et là, il se dit, mais comment elle a pu atteindre mon frère? Il était surpris. Et la fois où ça a été très loin et même très bizarre, c'est sa sœur. Elle tarde à rentrer du lycée. Et quand il sera chez lui, Zakara avec sa mère, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es rentré si tard aujourd'hui? C'est trop bizarre. En sortant du lycée, j'étais en train de marcher. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il y a une fille, elle est sortie de nulle part. Elle commence à m'aborder. Mais j'ai pas aimé comment elle était. Elle était trop insistante. Elle me dit, oui, je connais bien ton frère. Je connais aussi bien ton autre frère. Il a fait un accident de moto. Et si t'as besoin que moi, je t'apprenne des choses dans tes études pour te faciliter, n'hésite pas, moi je peux t'aider. Là où j'ai pas aimé, elle était tellement insistante, elle a vraiment voulu que je vienne chez elle. Elle m'a dit, même si tu veux, on y va aujourd'hui, je t'amène chez moi et comme ça tu révises et tu verras avec moi, tu vas progresser. Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est que pour une fille qui est censée être connue de toi et de notre frère, je trouve ça bizarre, je l'ai jamais vue.
Et là où j'étais choqué, maman devrait habiter à côté de nous, mais là où elle habite, ça n'a rien à voir. Elle habite dans un endroit qui est assez reculé de la ville. D'abord, elle habite où? Sa sœur, lui, sort la localisation, la même que lui, il avait déposé cette femme-là. Et c'est là qu'il a compris qu'en fait, toute sa famille, elle essayait d'apparaître aussi de leur côté. Et là, il se dit, mais la meuf, elle veut pas me lâcher. Et tellement la nuit, il est perturbé, elle ne le laisse pas dormir parce que des fois, elle va s'amuser à allumer les lumières. Des fois, c'est ses armoires, elle va les ouvrir, les fermer. Et elle ne le laissera pas dormir qu'il va commencer à ne plus travailler comme il le faisait avant. Au lieu de travailler le matin et l'après-midi, il va travailler que le soir parce qu'il dort pas de la nuit. Et un collègue à lui va remarquer qu'il ne vient plus comme avant au travail et il s'inquiète. Il lui dit, mais qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air bien, on te voit plus. Si tu commences à plus venir travailler, tu vas commencer à perdre de l'argent, tu vas commencer à plus avoir de clients, tu vas te retrouver dans des problèmes. Et quand son pote vient prendre de ses nouvelles, à ce moment-là, sa mère voit qu'il va pas bien. Et elle voit qu'il fait des malaises, il dort mal, il voit que, sans même savoir qu'il y a une femme qui apparaît, la fois où quand lui, il voyait une autre femme, alors que c'était sa voisine avec qui elle parlait, elle a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle lui dit, écoute mon fils, moi j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, t'es le seul qui nous reste de la famille, c'est grâce à toi qu'on peut vivre. Et je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, on va faire nos rokia pour que tu sois sûr que tu n'as rien de grave. Son fils, lui, il connaît pas trop tout ce qui est paranormal, rokia. Il sait que ça, c'est quand quelqu'un est possédé, mais lui, pour lui, il se sent pas possédé. Il sait qu'il y a une femme qui fait que de les suivre, que c'est une jinnia, mais il se dit, si vraiment ça peut m'aider, bah allons-y. Donc, ils vont voir un raqi qui va lui faire une rokia. Sa mère va lui expliquer que son fils est un peu perturbé depuis un certain temps et il va commencer à lui faire la rokia. Et quand il lui récite la rokia, lui, il va pas forcément se sentir mal. Mais il va voir apparaître cette femme-là. Et elle va apparaître derrière le dos du raqi. Et elle va lui dire, t'as intérêt à sortir de l'appartement, parce que si tu restes là, je te jure que je vais m'en prendre à lui. Quand lui, il reçoit cette menace-là de cette jinnia, il prend peur, il sort d'appartement et rentre chez lui. Parce que lui, il voulait vraiment pas que cette jinnia fasse du mal à cet homme-là, à sa famille. Alors que lui, tu vois, c'était un raqi, et lui, c'était normal pour lui ce qu'il faisait. Il rentre chez lui, et sa mère lui dit, mais pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui va pas? Il lui dit rien. Le lendemain, c'est le raqi qui vient chez eux. Et il lui dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pour que tu guérisses. Et ce qui vient chez toi, qui ne veut pas te laisser tranquille, va pas vouloir te laisser faire la rokia. Mais n'aie peur de rien, on va faire la rokia. Tout ce qui s'est passé avant, ça va partir. Il lui fait la rokia, il a fallu 3 heures pour que cette rokia lui permette de faire partir cette femme-là. Et quand la rokia finit, il se sent tellement léger qu'il se sent vraiment bien. Et il remercie le raqi, il lui dit merci pour tout, je me sens beaucoup mieux. Et le raqi lui dit, écoute, s'il y a un coup ça te donner, fais ta prière. Quand tu dors, fais tes ablutions. C'est pas ce que t'as vu. C'est quelqu'un qui a dû s'attacher à toi. Mais la seule chose que j'ai à te dire, fais tes prières. Dors en ayant tes ablutions. Et surtout, fais tourner le courant chez toi pour vraiment te sentir le mieux possible. Pour que rien ne s'attache à toi. Et c'est ainsi que se termine cette histoire-là. Il n'a jamais revu cette femme-là. Plus jamais elle a réapparu. Et surtout, ce qu'il a vécu, il a dit, ça l'a marqué. Parce qu'il n'était jamais au courant de tout ce qui est des histoires d'horreur, des histoires paranormales, des histoires de genoux. Il savait que ça existait, mais pas au point que ça lui arrive à lui, que ça s'en prenne à sa famille, que ça apparaisse aussi dans le but de les attirer avec cette femme-là. Et son histoire, moi, elle m'a marqué. Parce que vraiment, j'ai toujours dit une chose, les chauffeurs routiers, les taxis, tous ceux qui conduisent la nuit, ils doivent avoir des histoires vraiment, vraiment effrayantes. Donc, voilà l'histoire de Zakaria, qui est chauffeur de taxi, que j'ai trouvé vraiment flippante. Eh bien, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo-là, et la première histoire, elle était vraiment effrayante. Hein. C'était un djinn amoureux qui voulait la marier, donc je pense que s'il aurait été jusqu'au bout, dans sa vraie vie, il aurait été impossible pour elle de se marier avec quelqu'un, le djinn ne l'aurait pas laissé. Mais la dernière histoire, c'est vraiment un autre niveau. Elle est venue, elle l'a été jusqu'à l'emmener dans un bâtiment insalubre. Elle est rentrée quelque part, elle a disparu, elle est devenue un chat. Après, elle s'est retrouvée dans sa voiture. Quand la police regarde la voiture, il n'y a personne. Comment elle est apparue à son frère, à sa sœur? Mais là, tu te dis, mais elle est dangereuse, elle était prête à aller jusqu'où? On ne sait pas. Mais la capacité qu'elle avait de se manifester, c'était vraiment effrayant. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ces histoires-là parce que quand je les ai écoutées, c'était vraiment des histoires qui m'ont donné la chair de poule, surtout la dernière, celle de Zakaria, c'était incroyable. En tout cas, si vous avez pris du plaisir, je suis curieux de savoir à chaque fois dans quel état vous êtes quand vous entendez ces histoires-là. Est-ce que vous aussi, vous êtes effrayé? En tout cas, j'espère que vous arrivez à dormir quand même. En tout cas, les amis, si vous avez apprécié cette histoire-là, cette vidéo-là, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez la vidéo, vous abonnez, comme ça vous loupez aucune nouvelle vidéo, mon Instagram, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous, les amis, on se dit à très vite pour une nouvelle histoire d'horreur ou une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite le bien et surtout, n'oubliez pas de garder toujours le sourire parce que même si laver les durs, et ben c'est très important. À très bientôt les amis, inchallah. Tchao.